dans le royaume des morts. Une histoire de marchands, nimbée de doutes et de mystères. Une cloche tinta, un trône jaillit. Mais Death ne put voir le Seigneur. Salut à toutes et à tous, c'est Silariel. Comment vous portez-vous? Moi, j'ai la patate. Alors, je vous avais laissé la dernière fois juste ici, et j'avais dit qu'il fallait là-bas. Donc, je vous le rappelle, pour voir le chef des morts, il faut que je terrasse le champion de l'arène, et c'est ce que je vais faire là tout de suite maintenant. Mais il faut d'abord, je parle en réfléchissant, j'ai pas l'habitude. Il faut d'abord que je réunisse des âmes, histoire de l'invoquer. Voilà. Ok, c'est par là, nickel. Je m'entendais en double dans le micro, ça faisait bizarre. Là, ça va beaucoup mieux. Alors, je rappelle que je tourne ces épisodes en avance. Là, c'est l'épisode... quelle date je vais le sortir celui-là? C'est le 7e. Il sort le 18. Et moi, je suis en train de le tourner. Là, on est le 6. Donc voilà, je risque de tourner beaucoup d'épisodes en avance. Un maximum, d'ailleurs, pour être honnête. Afin de pouvoir savourer, on va dire, pleinement la sortie des consoles next-gen. Donc bien sûr, je ne vous cache pas que je parle bien entendu de la Xbox One, hein, dans mon cas. Et voilà, puis comme ça me donnera l'occasion de faire du let's play sur Xbox One sans être, on va dire, gêné, entre guillemets, par les let's play sur 360. Et puis bon, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. En ce moment, j'essaye d'acquérir un nouveau boîtier d'acquisition. Parce que là, j'utilise celui de Ryosuke, toujours. Et moi, bon, je l'avais déjà. Donc là, alors je vous parle. Donc on est le 6. J'en avais acquis un récemment. Mais j'ai eu un problème récurrent à ce boîtier-là. Donc je l'ai renvoyé et je le recevrai le 12. Donc avant que vous voyez cette vidéo. Donc j'espère que cette fois ça ira mieux. Et donc pendant un moment j'ai failli ne plus pouvoir filmer de let's play. Donc voilà, c'est parce que bon, le disque je vais pas le garder éternellement. Je vais falloir que je le rende à Ryosuke. Et pour pallier à ce genre de risque, de danger, je vais tout simplement prendre énormément d'avance. Voilà, c'est double bénéf, hein, c'est pour pouvoir davantage jouer à la Xbox One et ne pas prendre de risque. Voilà, bah ça c'est dit, rien de particulier à ce niveau-là à dire. On fait carnage comme d'habitude. Hein. C'est pas bien dur. Alors cet épisode-là va très certainement être coupé en deux, voire même en trois, parce que bon, il y a trois âmes à récupérer et je me souviens plus du tout de la longueur du truc. Ouais, franchement, j'ai pas la moindre foutue idée du temps que ça va me prendre. Donc ça, c'est fait pour ouvrir ça, mais ça, pour l'instant, j'y touche pas. Alors, que dois-je faire? Alors c'est genre ça, hop, non. Et je suis déjà perdu là. Faut souvent que je me mette juste là, que je passe ça. Ça me paraît bien plus logique et bien plus intelligent. Hop, ça va exploser, on en prend un autre. Voilà, qu'on met là. Ah, bon bah j'ai tout explosé moi. Bon bah je vais récupérer le coffre, hein, comme je l'ai débloqué tant qu'à faire. Voilà, donne-moi tes trésors, merci, au revoir. Là, il me semble qu'en allant tout droit, ça passe. Ça passe pas. Enfin, ça passe. Ah, mais oui. Ça, je vais le poser là, du coup. Boum. Et je continue par là. Voilà, je commence à me souvenir légèrement de cet endroit-là. Hop là. Ça se passe bien, j'aime bien quand je perds pas de temps, c'est agréable.
Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça, alors je l'actionne. Hop là, qu'est-ce que ça va faire? Ah bah ça fait que je peux prendre ça. Hop, je le prends avec moi direct. Je cherche pas à comprendre. Déposer nanani nanana, j'ai pas envie de déposer, moi j'ai envie de le mettre. Voilà. Ensuite ça, on le tourne pour aller là. Non. Pour aller là? Oui. Ça marche. Ici, rien à faire, on continue. J'ai aussi remarqué que vous étiez beaucoup plus nombreux, genre énormément plus nombreux à regarder mes let's play de Dark Souls que Darksiders. Voire même très très peu pour Darksiders, mais bon, c'est pas grave, je vous rassure pour ceux qui regardent que je compte quand même le faire en entier jusqu'au bout. C'est juste que voilà, bah, j'aurais préféré avoir plus de, on va dire, d'intérêt de votre part pour Darksiders. Mais bon, je sais, enfin, même moi personnellement, entre les deux, je préfère Dark Souls, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est le petit truc que j'avais à dire aussi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok, bah j'ai récupéré la première. C'est bizarre, dans mes souvenirs, il se passait une méga baston. Et l'autre, il a l'air énervé là. Ouais, bon. Ah. Baston. Je me disais bien que c'était trop beau. Alors, personne d'autre? Ah si, bien sûr qu'il y en a d'autres. Vraiment pratique ce gun. Bon, un combat assez simple. C'est le combat du boss de l'arène qui va être bien plus compliqué si je me souviens bien. Là, c'est franchement mais d'une facilité déconcertante. Alors, bah, toujours rien à faire ici, ça n'a pas changé. Bah, là maintenant ça s'ouvre. Coucou. Hop, 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 hop. Ça, je sais pas ce que ça indique, je crois que c'est la marque du boss. Allez, on s'ouvre. Là, il y a Ah ah! Bon, je passe à côté de beaucoup de pierres, hein. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous avez déjà dû vous rendre compte, vous en rendre compte. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, bah, je les ramasse comme ça sur la route pour le fun, mais c'est de quête annexe et ça m'intéresse franchement pas. Bah, j'ai beau être un chasseur de succès, parce que si vous avez regardé un minimum mon profil, vous avez dû se rendre compte que j'en ai beaucoup de succès. À savoir que j'ai la Xbox 360 depuis décembre 2009. Donc je trouve que c'est pas trop mal là où j'en suis. Mais voilà, j'ai beau être un chasseur de succès, bon, y a des trucs que ça me gonfle tout simplement de le faire, et ça en fait partie. Hop là. Plus que deux. Plus que deux et on arrive à 10 minutes de vidéo. Et du coup, ouais. Si je fais 10 minutes par pierre, je me permettrai peut-être une vidéo longue avec un combat de boss. Sinon, bah, je coupe en deux. Je verrai bien. Hop, ceci étant fait, on enchaîne. Du dadi dadi dadu. Alors,
maintenant ils sont tous tournés là, donc il faut que j'aille ici. Peut-être qu'il faut que je passe par là, non. C'est pareil, ça va être par là-bas. Par là-bas ou pas. Non, par là donc. Et voilà, on va laisser peser. Je trouvais cette expression un petit peu spéciale, on va laisser peser. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon. Franchement, c'est... Ouais, on va laisser peser, ok, d'accord. Encore une expression de la poste, ça. Alors, ensuite, il m'éclaire là-bas. Et moi, je voudrais peut-être qu'il m'éclaire là et par là. Ok, ça a l'air légèrement plus compliqué ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On voit un coffre de dos, mais comme Death est pas doué, il ne peut pas sauter au-dessus de ses gravats. Non, sérieusement, là? Sérieux? Death, il peut pas sauter au-dessus de ses gravats. Alors, il fait des sauts de la mort et tout ça. Mais ça, ça, non, non, désolé, ça, Death, il peut pas. N'importe quoi, ces jeux. Enfin, bref. On va continuer, hein, parce que, bon, c'est bien beau de s'amuser. De rigoler, de plaisanter et de se moquer du jeu. Mais bon. Ah, je me souviens vaguement de ça. Ouais, donc non, faut pas que j'aille par là, faut que j'aille là-bas. Je me souviens vaguement, ça me dit quelque chose. Alors là, on est toujours dans la partie que j'ai fait il y a un an et pas il y a, il y a quelques mois. Ok, ok. Donc, ouais. Ça fait rien. Alors, j'ai dû louper un truc. J'ai obligatoirement dû louper un truc. Parce que là... Eh ben, ça va pas. À mon avis, je peux descendre. Là. Voilà. Voici l'Ariel, quand tu fais preuve de logique, t'arrives à faire des trucs. Ah, c'est pas d'équipette directement, forcément. Ça, c'est bon. Voilà, voilà. Et on récupère le petit coffre. C'est sûrement une clé. Alors, qu'y a-t-il? Ah, même pas. Je ne peux pas. Je suis limite déçu, je m'attendais à une clé, moi. Tant pis. On monte comme ça, ça va beaucoup plus vite. Alors, comment je fais mon compte, moi, du coup? Parce que c'est bien beau, tout ça, mais... Ah, mais non, si je prends pas la main... La main? Ok, la main, ça ne va pas le faire. Alors, parce qu'en fait, je pensais à un truc, mais en fait, c'est carrément pas ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, bon, voilà, bah, ce que je pensais, moi, c'était... Mais comment est-ce que je peux éclater les trucs qui sont là-bas? Alors que c'est ceux-là qu'il faut éclater, quoi. Réfléchis, c'est l'arrière, réfléchis! Voilà. Ceci étant fait. Regarde, on peut récupérer celui-là, du coup. On peut récupérer celui-là, du coup. Du coup, est-ce que je le fais? Mais oui, je vais le faire. Tant qu'à faire. Hop, hop, hop. On prend la main. On prend la bouboule. Alors, à mon avis, je peux le faire de l'autre côté, mais bon... Donc, puisque je peux le faire ici aussi, autant le faire ici. Voilà, c'est tout simple. Bim, bam, boum. Voilà. Au moins, je serais plus embêté avec ça. Je prends pas de risque. Alors, ouais... Ah, je l'ai loupé, tant pis. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Ici, il va y a rien. Ça, ça éclaire là-bas. Ça, ça éclaire là. Ça, ça éclaire là. Et ça. Et ça, ça éclaire là-bas. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça, ça fait ça pour pouvoir éclairer de l'autre côté. Pour... Oh, c'est compliqué. Non, en fait, je plaisante. Je vois exactement ce qu'il faut que je fasse. Il me semble que je vois exactement ce qu'il faut que je fasse. Donc, ça devrait le faire. Coffre. On récupère ça.
Oui, là je suis en train de mûrement réfléchir au fait que j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo longue avec un combat de boss à la fin. Je crois simplement que j'ai coupé en deux. Et bah d'accord, merci. Couper en deux et faire comme la dernière fois, sortir les deux épisodes à la suite. Ou en sortir un le lendemain. À mon avis, c'est ce que je vais faire. Je voulais vous faire un coup de à demain, puis en fait moi j'enchaîne direct. Hein. Parce que bon, même en disant au début de la vidéo qui était coupée en deux, que oh d'accord, que c'était une deuxième partie et pas la première, et qu'il fallait donc regarder la première partie avant la deuxième, j'ai quand même eu plus de vues sur la deuxième partie. Donc voilà, bah c'est bizarre, je sais pas, franchement, j'ai envie de dire, bah ok, pourquoi pas. Je fais avec. Ça, c'est juste pour récupérer ça. D'accord, bon, je récupère hein, une page, je crois, un truc. Ouais. Donc voilà. À force de balancer des trucs comme ça au pifomètre, je sais plus de quoi je parle. Mais ça, je crois que vous avez pris l'habitude depuis, hein. Alors, hop, 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 bah, je m'en fous, je l'ai récupéré. Ok, ceci, cela, ceci, cela. Comment je fais? Bah, non, c'est tout simple. Bah, déjà, je prends la main. Hop là. Ensuite, je viens là, je pose ça. Et bah dis donc perte de temps que les animations pour poser les trucs, pour lâcher, pour ceci, pour cela. Et bon, c'est pas grave, je survivrai. J'espère. Donc toi, voilà, action. Tiens, prends ça. Eh bah, c'était pas compliqué du tout! Mais du coup, ouais, là, si je récupère déjà le deuxième truc, ça va faire deux vidéos très courtes ou une trop longue. J'avoue que je me tâte. Oh là là! J'ai failli tomber, quel gland! Bah, je suis tombé quand même au final. J'ai dû louper un tas de trucs, mais c'est pas grave, je récupère ça. Une relique. Ce qui est bien avec les reliques, c'est qu'on peut les vendre pour avoir de l'argent. Alors, ensuite, on vient là, on arrive là, on arrive là. Fou de rage, on casse tout. Alors, dans les pièces comme ça, en général, c'est conseillé de tout péter parce que vous pouvez débloquer des coffres bonus qui sont liés à l'explosion du décor. Voilà, il n'y a pas de logique à ça, c'est voilà, c'est un délire du jeu, hein. Ah! Tiens, mes petits copains. Boum, la petite petit copain. Allez, pourriture. Allez, me tire des flèches. Je l'ai cherché avec la main, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Je le fais tellement pas souvent. Ah! J'ai éclaté le petit, lui je l'éclate aussi, et bim. T'es où? Ah, je l'ai pas vu. Allez, voilà! Ah, c'est pas fini. Oh, mais dis donc, il y a plein de squelettes ici. Pas grave, on les éclate tous. Hop, ça se passe bien, c'est facile. Bah dis donc, il y a du monde, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. À vous, ça doit péter dans tous les sens. C'est pas pareil quand on est spectateur que quand on est acteur. Hein. Hop là. Cette fois, c'est tout. On s'est calmé. C'est bien. Dans le feu de l'action, j'ai utilisé une potion de mana, une potion de vie, mais j'ai déjà récupéré une potion
de vie au milieu du combat, ce qui fait que j'en ai toujours 5. Faut aller là-bas. Oui, bien, je sais, j'avais compris que je l'avais récupéré la pierre. Alors, rien n'a récupéré ici, me semble-t-il. Donc on va continuer. Ah, les chargements, je vous jure, ça me gonfle. Ah, je sais pas si sur PC il y a des chargements comme ça, ça m'étonnerait quand même. Parce que bon, je suis pas un PCiste hein, comme on dit, mais bon, j'ai quand même un bon PC, une bonne bête de guerre et tout. Et je veux dire, faut voir la vérité en face. Hein. En général, sur PC, ça marche bien les jeux, quoi. Le seul problème du PC, c'est que sur les nouveautés, il faut acheter des nouveaux éléments pour son PC, sinon il supporte pas les nouveaux jeux et tout. Donc au final, au niveau du prix, c'est sensiblement les mêmes choses, hein, PC et... C'est quoi cette torche allumée, pas le reste. Sensiblement la même chose, PC et console, au niveau des coûts. Quand on y pense. Et puis le coût du, les jeux console, c'est 70€, excusez-moi, mais moi, Amazon, les jeux neufs, je les paye en général que 50€. Et voilà. C'était la petite comparaison de PC-console que je fais pour la première fois sur un de mes let's play. Hop, allez, plus qu'un. Plus qu'un, du coup, je vais faire le 1 et je vais vous abandonner juste avant le combat du boss. Ouais. Ça me semble vicieux à souhait, ça. En revanche, ils me disent pas comment remonter. Sûrement par là. Quoique. Non, c'est pas ce que je me disais. On va par là. Ah, mana, on va prendre de la mana. Et voilà, je suis... Allez, ramasse-le le truc. Je suis à bloc partout. Ça fait plaisir. Bon, ouais, en fonction de... Comment va se dérouler le la suite là, je vais voir si je fais ou non un épisode plus long. Après tout, mes deux dernières vidéos étaient plus courtes que d'habitude. Enfin, même si j'ai fait des excès abusifs de dingue dans celles qui ont précédé ces deux fameuses vidéos plus courtes. Alors, un petit boss, un mini boss, qu'est-ce qu'il a celui-là de spécial? T'auras ma tête? Mais oui, c'est ça, on lui dira. J'aime ça quand Death il vise des ennemis dont j'ai rien à foutre au lieu du champion squelette. Quoi. Hop. Allez, tu me recharges mon coup, gentil champion squelette. Merci d'avoir participé. Toi. Oh, un autre champion. Je dois payer. Mais j'ai pas envie de payer moi. Vous avez eu l'astuce, il m'a donné un coup et j'ai fait une exécution sur un ennemi juste avant, du coup il m'a pas touché. Ça marche bien. Hop, on prend une potion de soin et on ramasse une autre. Bah décidément les potions là, je sais pas si vous avez remarqué depuis. C'est quoi le délire? Depuis le début de la partie, mais ça y va. Alors est-ce que le jeu est en train de planter à cause de lui là? Mais oui, regardez, alors là je peux plus jouer, voilà, c'est bon. Ah la vache, ça fait pas mal cette merde. Allez, je te déloge de là et je t'achève. C'est assez marrant, c'était pitoyable, c'était ridicule. Et si le mob se coince dans le décor et qu'on ne peut plus le voir, bah on reste coincé comme des cons. Ah, j'adore les bugs. Je peux y accéder ça? Ouais, je peux. À mon avis, je dois parce que là... je vais pas aller bien loin. Ouais, il n'y a rien à faire ici. Je vais là-bas. Alors, ici, pareil, à mon avis, s'amuser à tout péter.
Chose que je ne vais pas faire parce que j'ai autre chose à faire, comme par exemple vous montrer la progression du jeu. Je crois que si vous voulez regarder un mec taper dans des cartons, c'est pas aussi que ici sur ma chaîne que vous regarderiez ça. Enfin, là. Je me suis compris, j'espère que vous m'avez compris. En général, je suis tout seul à comprendre. Décidément, encore une potion! Pas bien. Hop, merci de recharger ma mana. Toi aussi. Quoi? Encore? Décidément. Bouh. C'est la fête au village. Non, c'est pas ça le rythme. Bon, c'est pas grave. Eh bah putain, mais ça vole partout là. Hein. C'est boucherie. Ou plutôt ossuaire. Enfin bon, voilà. Ah, c'était carnage. Trop facile. Là, ouais, trop facile, mais j'ai quand même failli aller du mauvais côté. Ouais, là-bas. Ouais, bon, du coup, ça va faire une demi-heure pour le premier. Pour ce premier. Non, avant de combattre le boss. Donc, du coup, je crois que je vais. Je vais. C'est quoi ce soleil, ça? Ouais. D'accord, j'ai compris. Du coup, ouais, je crois que je vais séparer en deux avec le combat de boss. Voilà. Non. Attendez. Est-ce que je peux le poser sans que ça explose? Non, bien sûr que non. Ah mais non, mais... Je sais pas pourquoi, pourtant je savais ce qu'il fallait faire, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, Silariel, réfléchis un peu, réfléchis! C'est mieux comme ça. Donc, troisième et dernière corne magique d'invocation à récupérer. Oh, c'est original ça! Plein de chansons squelettes. Et la maman est pas contente que j'ai défoncé tous les bébés. Elle est pas contente du tout même. Aïe! Ah, pendant un moment j'ai pas réussi, puis ça m'a fait bizarre. Hop, je te zigouille. Regardez, il est en feu, électrocuté, il sait plus quoi faire. Trop facile ce combat. Eh oui. Ben voilà. Autrefois j'aurais utilisé l'avatar de la mort, la compétence spéciale pour le combattre. Mais maintenant je suis un PGM, ça ne me fait plus peur ces conneries. Hop, on arrache ça. Merci, au revoir. Alors, je sais pas où je le range, mais ça doit pas être confortable. Hop. Du coup, là, je vais marcher tranquillement jusqu'à l'arène. Je vais couper la vidéo. Et, ah, il va me falloir un nouveau truc explosé. Non, si, sûrement. Bon, celui-là sera chronométré. Ouais. Je me suis compris en disant chronométré. Qu'est-ce que je vous disais déjà? Je crois pas que c'était bien intéressant. Oui, que j'allais couper au moment de... Juste avant de mettre le troisième, que j'allais couper la vidéo et que j'allais reprendre direct après. Et pour vous, ça sera un à demain. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Alors ce qui fait que je sors bien plus d'épisodes de Darksiders que de Dark Souls, alors qu'ironiquement, les gens qui me suivent préfèrent le let's play de Dark Souls. Voilà ce que je voulais que je vous dise, à part que c'est la vie, hein, et puis zut, hein, c'est comme ça. Allez, on descend. On se retourne. Et là, on se dit... à demain. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour le peu qui la regarde, parce que moi je sais que vous la regardez. J'ai quand même de nombreux pouces, entre guillemets, hein, par rapport à d'autres vidéos, j'en ai beaucoup, de nombreux pouces. Donc je me dis que vous êtes là, que vous les regardez, même si j'ai pas beaucoup de commentaires. Donc apparemment pas d'exigence de votre part au niveau de la durée des épisodes et de comment je m'organise. Donc soit c'est très bien s'il n'y a rien qui vous dérange. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, je vous dis merci encore et à demain !